Salut, on se retrouve avec le Lotus pour un nouveau message. Un message pour des femmes. J'entends dans une trentaine. Les énergies ne sont pas interchangeables. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut ne pas vous parler. Ou parler d'une personne de votre entourage, peut-être de la personne du cœur, mais rien n'est sûr. Donc j'en appelle à votre discernement. Et je rappelle aussi que les cartes servent de support à la canalisation. Donc les messages que je vais vous donner n'auront rien à voir avec ce qui est marqué sur les cartes. Première carte. Ici, j'ai une résolution de karma. On insiste aussi sur ce mot réussite. Et on me montre le chiffre 2. J'ai l'impression qu'on a neutralisé ici tout le karma négatif. Et on me montre cet aspect de balance équilibrée pour les femmes en question. Alors c'est très particulier, je pense que ça concerne un cas ou un petit nombre de personnes. On me montre cette idée d'aiguille, vous voyez, de tatouage. Mais ça ne concerne pas l'entièreté de la guidance, hein, pour le détail. Alors, il est possible que votre transformation amène à des ruptures. Ruptures relationnelles, amicales. Ma carte. Et la dernière. J'ai l'impression qu'à l'issue de ces ruptures, de cette phase de transformation, il y aura un laps de temps de solitude ou de repli sur soi. Le sentiment aussi peut-être d'être inexistante. J'entends aussi beaucoup de colère et de la tristesse pour les femmes en question. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 9 avril, mais la vidéo sortira sûrement après Pâques. Et on me montre quand même cette date du 17 pour me dire que cet état instable dure jusqu'à cette date environ, jusqu'au 16-17. Et ça me rappelle une guidance Instagram qui traite du même sujet. Alors, profitez de cette période de retrait pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des projets de vacances, de déplacement, une activité, peut-être du jardinage aussi. On montre vraiment que sur le printemps, ces énergies vont se tasser pour vous permettre une stabilité ici. Vous récoltez aussi l'abondance parce qu'on me montre que jusqu'à présent, votre terre était stérile. Votre environnement était stérile, désertique. Et peut-être aussi qu'on attend de pouvoir faire une rencontre. Je ressens aussi des personnes, des femmes qui peuvent essayer des rencontres via les réseaux sociaux ou tout ce qui est site de rencontre. Mais on me montre quand même cette idée d'attente et d'insatisfaction par rapport à ces réseaux. Alors, pour une rencontre, j'ai plutôt cette idée de plein air ou d'activité
à l'extérieur, de balades ou déplacements également sur le printemps. Mais on me montre aussi qu'il y a un peu d'attente par rapport à cette rencontre. J'ai pas plus de contexte, vous voyez, par rapport à cette à la façon dont vous avez rencontré cette personne. Je ressens quand même que vous serez sur la défensive. Mais pour moi, ça fait suite à cet environnement stérile que vous avez connu. Il est possible que ce soit par le biais, il est possible que ce soit par le biais du métier, du commerce. Alors, soit de la personne qui attend de faire la rencontre ou la personne en face. Il y a un nouveau départ prochain, je ressens plutôt le mois de mai. On me montre que jusqu'à la date du 26, c'est gelé sur le plan relationnel sentimental. Ça se débloque à partir de là. Et plutôt favorablement sur le mois de mai. Mais d'ici là, on vous demande de travailler sur les événements ou traumatismes de perte que vous avez connus. Déjà pour vous libérer vous, mais ne pas affecter aussi la relation. Parce que je ressens que par rapport au traumatisme, c'est comme si j'entends incessant. Il y avait des pensées comme ça qui tournent en boucle dans la tête. Et peut-être qu'on se déprécie, mais ça ne vous rend pas service. Pour certaines, je ressens qu'on a des attentes concernant un déménagement, mais je ressens pas, j'entends octobre. Ça se fait plutôt sur l'automne. Et n'oubliez pas aussi de faire vos demandes à l'univers. N'oubliez pas de faire vos demandes à l'univers ou à vos guides pour qu'ils puissent vous aider. Et concernant cette offre ou cette opportunité de déménagement, pour certaines, j'ai cette idée qu'on trouve cette opportunité par le bouche à oreille. On me montre que vous êtes encore en dégagement au moment où je tourne cette vidéo et que ça peut être épuisant sur le plan physique, hein, la carte du dessus. Peut-être qu'on a le corps en vrac aussi, hein, parce qu'on me montre, vous voyez, qu'on a pu se retrouver désolidarisé. Vous voyez le tronc des pieds ou des jambes, un écartèlement, un démembrement. Le fait aussi d'être transpercé par des éléments tranchants ou des pieux, vous voyez ce genre de choses-là. On me montre aussi encore cette idée de clou par rapport aux sévices, hein. Clou aux pieds aussi pour certaines personnes, hein. Ou aux mains. Pendaison aussi, c'est assez glauque, hein, parce qu'on me montre des époques très anciennes, hein, par rapport à ces mémoires. On vous dit de vous reposer et de prendre si possible et si nécessaire des bains de sel. Hein. Sel aromatisé pour vous détendre. Je vous laisse regarder sur internet pour tout ce qui est détente, relaxation concernant les salles de bain. Regardez aussi tout ce qui favorise la détente musculaire et articulaire aussi. On a fini pour la transmission. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt.